8 a.m. I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to my dreams again, but I shouldn't be sleeping when it's still right now and I'm stuck in my bed. Stuck in my head, cause I've been just not all on my own, and I should make my way out. My home is daylight now, gotta open my eyes. Daylight now, can't be wasting my... Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au Ikea pour terminer ma chambre, donc j'aimerais bien acheter encore quelques meubles pour... Il y a ma mère qui monte le bureau derrière, je suis morte. Donc voilà, là on a encore rien acheté mais on vient de manger, comme vous avez vu, c'était trop bon. Donc je vous emmène avec moi et je vous allez voir si c'est les nouvelles choses. Et surtout ce que je vais acheter. On fait une photo du bureau, ma mère veut ce bureau. Tu peux le monter et le descendre, donc c'est vraiment pratique. And I hope that you'll miss it. Cause it's daylight now and I'm stuck in my bed. Day and night, never feel my best. I know, oh, oh. But this time will not be the same. It's daylight now and I'm stuck in my bed. Daylight now and I'm stuck in my head. Cause I've been just not all on my own, and I should make my way out. My home is daylight now, gotta open my eyes. Hello, alors je suis rentrée, je n'ai pas trop filmé au Ikea finalement parce qu'il y avait tellement de monde. Pourtant on est mercredi, je pensais qu'il y allait avoir moins de monde, mais bon, anyway. J'ai acheté un peu de tout, donc là j'ai vite faire un haul de ce que j'ai pris. J'ai pris d'abord une tasse, je vais faire ça vite parce que de toute façon vous allez voir les choses que j'ai achetées dans les clips qui suivent parce que je vais tout monter avec vous. Mais j'ai pris d'abord une tasse transparente comme ça parce que comme vous l'avez vu, j'ai acheté une machine à café. J'ai envie de voir le café qui coule, alors c'est beaucoup plus satisfaisant, donc j'ai pris une comme ça pour moi. Et une plus petite pour Cédric parce que lui il boit des cafés plus serrés et moins latté quoi. C'est une ampoule LED qui change de couleur comme tu as envie, avec une télécommande, donc avec la lampe fado, donc c'est la lampe ronde comme ça, que je trouve trop cute et qui donne vraiment une ambiance cosy, donc trop contente pour ça. J'ai pris une brosse à chiottes, j'ai pris les séparateurs, tu sais, comme ça, pour mettre dans le dressing, parce que j'ai acheté un meuble, vous allez voir, c'est le malm, le basique. Ensuite j'ai acheté des sous-verres, j'ai acheté encore un pot comme ça, vous voyez, c'est les pots céramiques comme ça, avec la plante dedans. C'était que 3€ la plante et c'est une vraie, donc trop beau. Vous allez voir pourquoi j'ai acheté ça, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. J'ai pris le même pot en plus grand comme ça. Ensuite j'ai repris une armoire comme j'ai mis dans ma salle de bain, enfin dans ma toilette. Et je pense que je vais en mettre deux. Le truc dont je vous parlais, vous voyez le petit dessin là. En gros je peux mettre 3 plantes dessus. Je vais mettre ça près de ma fenêtre, ça va être trop beau. Et ça va donner un peu plus de vie dans ma chambre. Donc voilà, là je vais commencer par monter le meuble. En même temps passer l'aspirateur robot. Comme ça bah, il travaille pour moi pendant que je fais ça. Je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que je compte faire avant de commencer, pour que vous puissiez vous imaginer un peu ce qui va changer tout simplement. Alors comme vous le voyez là, la chambre elle est éclatée. Il y a un meuble en plein milieu ici. Là j'ai déjà enlevé le fauteuil, donc ça je viens de faire. Là il y a les trucs des cochons. Et là il y a ce meuble là. Ce meuble là, donc le malm, il va aller ici. Et j'ai acheté un deuxième pour mettre ici. Comme ça, ça fait un long meuble et je peux mettre tous mes vêtements. Et la tringle, je sais pas encore où je vais la mettre, je vous avoue, mais on verra. Ça, j'aimerais bien trouver une place aussi pour que ce soit plus propre. Et donc, ce meuble-là, il va aller ici, avec mon stand café, je pense, mais je suis pas encore sûre. Et là, normalement, il y a deux étagères qui vont aller, mais on verra si j'ai le temps de le faire dans cette vidéo. Because it started to rain. Afternoon in the fall. This weather always makes me think about it all. The woman across me, she's wearing a trench. Je vais commencer par déplacer ce meuble et le mettre ici. Mais on va commencer à monter l'armoire. La dernière fois que j'ai monté cette armoire, j'ai mis 6 heures à la faire. There are many lies that I've told, and many secrets that I hold.
to see the truth unfold. Didn't know that time could go so slow. If only I just listened to your warnings. Okay, je viens de mettre l'armoire, enfin le malm à côté de l'autre. Et maintenant, ils se construisent plus de la même manière, j'ai vérifié encore une fois. La construction du tiroir à la fin se pose sur ce truc-là. Donc ça veut dire qu'ils ont clairement changé en fait cet aspect-là, donc je comprends pas trop. Je vous avoue, mais tant pis, c'est pas grave. C'est extrêmement laid, ouais, ça oui, je le vois, mais il y a aucun autre moyen en fait. C'est la nouvelle construction, enfin c'est, ils ont changé ce détail-là sur les nouveaux meubles et je trouve ça extrêmement laid, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, bref, je suis éclataxe, j'ai mal partout d'avoir fait juste ça. Maintenant, je vais juste faire les tiroirs. Hey, on est le matin, je vous montre ma petite tenue, mon petit pyjama. Hello. Et hier j'ai réussi à faire déjà tout ça, ça m'a pris énormément de temps, j'ai des courbatures partout, mais j'aimerais bien terminer les trois tiroirs là ce matin avant de partir. Et alors j'ai monté ça toute seule, donc je vous dis pas. C'est un meuble en deux parties, j'ai mis les vitraux et tout, j'étais au bout de ma life tellement c'était lourd. Mais ici, j'ai mis ma cafetière, j'ai mis mes petits sirops là, c'est trop trop cute. Et là, je suis occupée, enfin j'ai pas encore fait, mais je vais mettre toutes mes tasses à l'intérieur. Et comme ça, ça fait un petit espace café, c'est vraiment trop mignon. C'est le meuble que mon parrain et sa femme m'ont offert, que j'adorais quand j'étais petite chez eux. Et du coup, bah, ça me fait grave plaisir de le recevoir aujourd'hui. Et donc voilà, c'est l'avancement. Donc j'ai terminé les trois tiroirs là maintenant. Je vais devoir trouver une place pour la tringle là. Donc voilà, c'est parti. Hello guys! Alors aujourd'hui on est le jeudi 3 novembre, il est 15h30. Ce matin j'ai été faire quelques cours avec ma mère, on a été... Qu'est-ce qu'on a fait? On a été au parc Excel. Puis après on a été chez un ami à elle chercher un truc. Là elle fait un soin visage, madame s'est payé un soin visage, donc je l'attends dans la voiture. Et après on va aller en ville, parce que ma mère elle hésite un peu pour mon cadeau d'anniversaire. Parce que pour info mon anniversaire c'est le 8 novembre. Dans ma liste d'anniversaire il y a plein de choses de tout budget. Et elle sait pas trop quoi m'acheter, donc elle m'a dit envoie-moi les choses de tout, vraiment tout budget. Donc j'ai envoyé des bagues Ticento à 100€, j'ai envoyé un appareil photo jetable parce que ça j'aimerais trop avoir. Je vous mets un peu la wishlist. Elle m'a dit quel beau bijou, genre vraiment beau bijou, t'aimerais avoir pour la réussite de ton bachelier et pour ton anniversaire. Et donc on a été en ville la fois passée, j'ai montré, j'aime bien la bague Cartier Love en or blanc rodié. J'aime bien la bague Bulgarie, vous savez c'est une bague en argent cette fois-ci avec la céramique et c'est reversé 50% à une association pour les enfants. Bref, cette bague là j'aimais bien aussi. J'aime bien les bijoux de chez Louis Vuitton en or blanc aussi. Ou je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai aucune piste de ce que ma maman aura fini par faire pour mon anniversaire, mais vraiment il y a tout budget, donc je m'attends à tout comme je m'attends à rien du tout. Donc ça c'est cool, j'aime bien avoir des surprises, donc ça me plaît. Hier on a été IKEA, vous avez vu, on a acheté plein de trucs. J'ai terminé ce matin, je vous ai pas filmé, mais avant de partir je me suis dépêchée, je me suis levée tôt et j'ai fait le dernier montage, donc le montage des trois derniers tiroirs. J'ai commencé le montage de, vous savez, le truc porte-plante que j'ai acheté, donc ça c'est déjà fait. Et donc il me reste seulement à terminer ce porte-plante, de tout installer, un peu nettoyer, et je vous ferai un reveal à la fin de cette vidéo. Et ce soir on a un rendez-vous chacune au salon de massage, on va se masser le corps entier, donc ça va faire trop du bien. Et demain je fais mes ongles parce que c'est une catastrophe. J'aimerais bien voir des beaux ongles parce que je fête mon anniversaire dimanche 6 novembre. J'aimerais vraiment bien faire ça parce que je trouve ça trop beau, tellement propre comme ça et fin, donc ça j'aime bien. Et donc voilà, je vous ferai aussi une vidéo, c'est la suivante de celle-ci, ce sera sûrement une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Je vous ai pas parlé d'un truc parce que ça me rend vraiment mal, c'est vraiment un complexe pour moi. Mais j'ai arrêté la pilule, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a environ, je pense, 4 mois. Et il faut savoir que j'ai pris ma pilule de mes 13 ans à mes 23 ans, en 10 ans, ce qui a beaucoup régulé mes boutons, mes hormones et tout, et du coup j'avais une belle peau. Vraiment, j'étais contente de ma peau, j'avais pas de boutons. J'avais parfois des boutons au niveau du menton ou au niveau du front pendant la période pré-règle. Et depuis que j'ai arrêté la pilule, le seul inconvénient, parce que le reste c'est que des avantages, mais il y a un seul inconvénient, c'est que j'ai une peau en fait d'ado de 13 ans qui est
en pleine puberté et donc je suis vraiment mal à l'aise avec ça. J'ai des sécheresses tout autour de la bouche parce que justement j'étais chez la dermato et j'ai un traitement. Bon là on le voit pas trop. Mais là vous voyez j'ai du maquillage, enfin j'ai juste de la poudre parce que je peux plus mettre de fond de teint en plus. Mais genre voilà, là il y a des croûtes parce que c'était des boutons qui sont occupés à cicatriser. Mais en gros c'est vraiment pas ouf. Sur le front c'est pareil, enfin vous voyez c'est plein d'irrégularités qui font que j'ai plus du tout une belle peau. C'est ce qui m'a un peu empêché à filmer ces derniers temps parce que je déteste ma peau. C'est la seule chose que je vois quand je filme et comme je porte pas de fond de teint, j'ai l'impression que ma peau n'est pas belle, que c'est pas uniforme et que du coup je m'aime encore moins que ce que je m'aime d'habitude. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Du coup ouais, j'essaie de faire avec. Mais je vous avoue que c'est compliqué. Et j'aimerais donc trouver une solution. Là, j'ai été chez la dermato il y a 4 semaines. Elle m'a donné une crème qui s'appelle Differin. Et j'en mets sur ma peau. Mais le problème, c'est que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'ai de l'eczéma séborique tout autour de la bouche. Ce qui fait que quand je mets un produit qui est déjà abrasif à fond, plus ma peau qui est en pleine éruption cutanée, bah ça fait que ça fait un mix vraiment pas ouf pour mon eczéma. Et je sais pas si on voit, mais en dessous ici, j'ai mis du correcteur avant de mettre ma poudre. Et tout ici, en fait, toute cette zone-là, elle est genre rouge, rouge, rouge. Elle est en éruption et ça me fait super mal. Genre ça pique, c'est comme si c'était brûlé. Si toi aussi t'as arrêté la pilule et que t'as eu ce même genre de problème, je t'invite à me dire en commentaire quelle a été ta recette miracle. J'ai beaucoup parlé mais c'est ce que j'avais à te dire et pourquoi j'avais pas filmé en fait ces derniers temps et pourquoi il y avait moins de vidéos, etc. Vous avez le pourquoi du comment, vous en faites ce que vous voulez, mais surtout n'hésitez pas à me donner des conseils. Les gars, je viens de rentrer, je suis exténuée. J'aime beaucoup la tournure que prend ma chambre. Ça va bien donner, j'ai trop hâte. J'ai juste changé ma TV de place. Je vais vous montrer. Comme ça, quand je suis dans mon lit, bah, je peux voir la télé. Et quand j'ai fini, bah, je la mettrai dans le coin là-bas, quoi. C'est en attendant d'avoir un meuble ici. J'aimerais bien trouver un meuble où je peux le mettre, une télé en hauteur, quoi, un peu plus grande. Ok, alors j'ai déjà commencé à faire ce meuble, c'est pas un meuble, c'est un porte-plan. Donc je continue à faire ça pour le mettre, je pense, ici. Ça va être trop joli, donc let's go. D'ailleurs, c'est le troisième jour de ce vlog et je suis dans un nouveau pyjama bulldog. Tidim. Hello guys, alors aujourd'hui je vais faire mes ongles, donc c'est parti, ça c'est l'avant et je vais faire ça tout de suite. J'ai fait un long chemin pour venir ici donc j'espère que c'est bien. J'ai trop hâte parce que j'en peux plus de voir mes ongles comme ça. I've been taking every cup of coffee black now. Alors je viens de faire mes ongles, le résultat est vraiment incroyable. La fille était super sympa et en plus de ça elle fait un travail de dingue, il n'y a aucune fausseté. Je suis hyper compliquée pour mes ongles en fait, hein, genre vraiment, et je l'ai trouvé via Instagram. Et regardez-moi ça, wesh. Si ça c'est pas de la qualité, regardez comme c'est bien fait, j'adore. Je voulais une French pas trop épaisse, tu vois, parce que je trouve que c'est hyper chic et j'aime vraiment beaucoup. Et c'était 40€, donc à refaire, je le fais encore 1000 fois. Je vous mets son Insta juste là si jamais ça vous intéresse, parce que si vous venez de Bruxelles, c'est à Uccle et c'est juste... incroyable. Donc là, on est en ville et ma mère persiste avec l'idée de vouloir me faire un cadeau pour mon bachelier et pour mes 24 ans. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans les magasins que j'aime bien, du genre Louis Vuitton, Dior et Gucci. Je vais goûter aussi, elle m'a acheté un jus au gingembre. Happy ginger. Waouh, ça me réveillait là. Ouh, il mérite trop. I know this rice, take it some time. Ok, je viens à la boulangerie et je vais goûter une nougatine, une tarte à la nougatine. On dirait une tarte brésilienne, mais ça a l'air trop trop bon. Delicious. C'est une brésilienne. Bien mangé. Dans 2 jours, c'est ma fête d'anniversaire à la maison, j'ai trop trop hâte. Et regardez, ma mère a trouvé un cadeau pour moi. Bon les gars, moi je vais aller dormir parce que là je suis exténuée, j'en peux plus. Je suis rentrée, j'ai fait quoi? J'ai fait de la soupe à l'oignon, grave bon en automne, si j'aime trop trop faire ça en automne. Donc là, je vais me démaquiller. Demain j'ai une grosse journée, je dois tout nettoyer parce que dimanche on a la famille comme vous savez. Donc je dois tout nettoyer, ça va être fun. Ça va me prendre toute la journée, je dois terminer de ranger ma chambre aussi et préparer un peu tout pour dimanche parce qu'il y en a midi. Donc voilà, à demain.
guys. Oh my god, je suis au bout de ma life. Ce matin, j'étais au marché chercher ce qu'il fallait pour mon anniversaire parce qu'on fait des plateaux de fromage et tout. Faites pas attention à ma tête, vraiment, je suis dans un état déplorable parce que je ronge depuis ce matin. Là, je viens de me faire un petit café pour me rebooster. Ce qui est, comment vous dire, c'est vraiment hardcore. Je voulais juste vous montrer, regardez, j'ai acheté des tulipes. C'est trop cute, j'aime trop. Il y en a là aussi, là-bas. Voilà, regardez, j'ai changé un peu l'espace des cochons d'Inde, c'est trop trop cute. On commence un peu à avancer, donc ça c'est vraiment bien. Il me reste pas mal de choses à faire, donc on nettoyer, terminer de ranger. Je suis passée vite fait tantôt à Dil et Camille. Si vous connaissez pas, c'est un magasin, je pense, hollandais. Et j'ai acheté des bougies comme ça de Noël avec un support pour mettre à Noël. Ça va être vraiment trop trop cute parce que cette année, j'ai décidé d'arrêter de faire un sapin de Noël argenté et blanc, mais plutôt un sapin de Noël doré, vert et rouge, les couleurs un peu vintage parce que je trouve ça vraiment trop trop beau et c'est vraiment le Noël basique que je préfère et qui je trouve est le plus beau au final, tu vois. D'ailleurs cette année j'ai commandé des guirlandes de sapin pour mettre tout autour de l'entrée chez moi avec des petits nœuds rouges et les petites loupiottes lumineuses. Cette année je me suis dit autant bien décorer parce qu'on fait Noël chez moi en plus, donc chin. Bon, j'ai vite fait déballer la lampe que j'avais achetée à Ikea avec l'ampoule LED de couleur. Hey, je vous la fais rapide, il me reste 1 minute 30 pour vous parler sur ma carte et j'ai pas le temps d'effacer les fichiers et tout. Donc là je suis en train de me préparer, je viens de lisser mes cheveux, je crève de chaud mais les gens vont arriver dans 30 minutes et je dois vite me préparer et en même temps je vais manger un croissant, donc je vais me maquiller super simple, mon petit trait d'eyeliner comme d'habitude. Et voilà, donc je vous retrouve quand c'est fait parce que là, c'est pas ouf. Ok les gars, j'ai terminé, donc voilà mon petit trait d'eyeliner. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai fait assez simple, j'ai mis un Kylie Cosmetics sur les lèvres. Et voilà, d'ailleurs j'étais brûlée, je sais pas si vous avez vu, mais j'étais brûlée ici. Hier j'étais fait ma moustache et elle m'a complètement arraché la peau, comme d'habitude, donc voilà. Bref, anyway, j'espère que ça va pas faire des taches dans une heure, mais pour la tenue j'ai juste mis ça avec une jupe, comme ça. J'y vais avec ma famille, je profite, je vous laisse. Bisous les icônes. I wish I could holler at you, baby. I'm just not a natural. Not a natural. Like fancy, classy effort. There's no dress shirts in my dresser. In my dresser. So why would I wait in line to love you?